Les élections à la Fédération ivoirienne de football auront lieu le samedi 23 avril 2022 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. 81 membres actifs composant le collège des votants. La liste des 81 membres actifs composant le collège des votants devront s'exprimer pour élire le nouveau président de la FIFA ainsi que le vice-président et les membres de la commission de gouvernance, d'audit et conformité. Les 81 membres devront s'exprimer pour élire le nouveau président de la FIF, le vice-président et les membres de la commission de gouvernance, d'audit et conformité. Les élections à la Fédération ivoirienne de football auront lieu le samedi 23 avril 2022, à partir de 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. 81 membres devront se prononcer pour élire le nouveau président de la FIF. Lire aussi Côte d'Ivoire élection FIF, Didier Drogba et Yacine Idriss Diallo marchent dans les pas du président Alassane Ouattara. Les 81 membres devront s'exprimer pour élire le nouveau président de la FIF, le vice-président et les membres de la commission de gouvernance, d'audit et conformité. Pour la présidence de la FIF, 3 candidats sont en lice pour succéder à Feu Sidi Diallo. Il s'agit de l'ex-international Didier Drogba, de l'ancien vice-président de la FIF, Sori Diabaté, et d'Idriss Diallo. Voici la composition des 81 membres actifs. Lire aussi Côte d'Ivoire élection FIF / Drogba après le dépôt de son dossier, j'ai hâte que la campagne démarre officiellement. Par ailleurs, la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, a publié un communiqué afin d'apporter des explications sur l'absence de Didier Drogba à un débat télévisé face à ses adversaires dans le cadre de l'élection à la FIF. En effet, Didier Drogba, après que son absence a été constatée, mardi soir à ce fameux débat télévisé, avait posté un message pour donner les raisons de son absence. Voici la liste des votants.